La révélation de cette saison sera Teddy Chiro. Salut, c'est Teddy, j'espère que tu vas bien. Nous nous retrouvons sur FIFA 23 en mode carrière joueur. Nous avons extrêmement mal démarré le début de saison, mais c'est pas grave. Nous allons tout faire pour obtenir la première place de la Liga. On va faire un petit point là côté classement. Nous sommes 12e avec un seul point. Nous allons voir les premiers. Donc le premier est le FC Barcelone, le deuxième Villarreal avec également 6 points. Il y a également l'Atlético de Madrid et CA Osasuna et Getafe qui ont également 6 points. Il est temps de mettre la correction à toutes les équipes que nous allons rencontrer maintenant. Allez, on va faire le premier match. Le premier match sera contre Valence. Mais avant cela, nous avons une note rapide pour nous informer que nous sommes sélectionnés à partir du 31 août au 6 septembre dans l'équipe nationale. Et voilà, c'est parti pour le premier match de cet épisode contre Valence et nous nous retrouvons au Enfin, nous Bernabéu. y sommes. Ça fait un moment que la pression monte autour de ce match. Les deux équipes vont pouvoir enfin en découdre dans quelques minutes. Le coup d'envoi au Bernabéu. Bonjour à Bonjour toutes, à tous, bonjour à tous, bienvenue c'est à parti pour Madrid, Real de Madrid, bienvenue à Valence l'Estadio Santiago FC Bernabéu. et Ça nous allons s'appelle comme rentrer ça, Omar sur le Vizquel, terrain. Mais avant cela, la team nous allons d'Ala, voir que vous ensemble allez les passer dans les objectifs prochaines minutes. de ce Les match. Espagnols Note de ont un match, rendez-vous taux de intéressant en conversion, Liga Santander. application Real Madrid offensive. contre Valence. Allez, on va Le Real choisir Madrid taux de aurait conversion. certainement Je pense rêvé à que notre début de je vais saison. marquer pas mal de Le buts compte de durant ce l'Estadio match Anormal pour me du venger de Paris l'épisode précédent. Saint-Germain en vie C'est parti. debout et sans ambition. Voilà, le coup Nous d'envoi de allons cette leur première mettre la période. pression dès le début, on va marquer très tôt. Et un ballon dans la profondeur. En jeu. Et le drapeau qui se lève là sur ce bon ballon en profondeur. L'appel n'était pas excellent. Et oui, il faut prévoir pour savoir et Teddy savoir Chiro. pour agir. Et voici la compo du Real Madrid. Dans le but, c'est Thibaut Courtois, Gordon. David Alaba avec Gordon à Antonio nouveau. Rudiger en défense centrale. Et pour finir donc, une seule pointe en attaque. Duro. Bien fait pour McAllister. Récupéré. Teddy Chiro. C'est bien vu. Teddy Chiro à nouveau. Je t'ai vu partir. C'est parfait, c'est magnifique, c'est joli, je demande le ballon. Oh, il n'y a pas faute. Et le ballon Petite sort du terrain faute. sur cette Ah, ça serait une intervention de la touche. défense. Et non, ballon perdu. On récupère le ballon, je récupère le ballon. C'est bien joué. Teddy Chiro, je t'ai vu, t'es tout seul. Bruno Mendes reçoit le ballon. Je demande le ballon. Ah, il faut tirer Frappe. là. Et but. Et ça passe. Je l'avais Et dit qu'on c'est allait le marquer très premier but du tôt. match. Allez, c'est Le 1-0. spectacle est lancé. Ça commence fort. Ça commence très très fort. On revoit cette séquence de passes rapides pour déstabiliser la Ça rentre. défense. C'est C'est magnifique. ça le tic-tac. Puissance, placement, En tout cas, mon précision. placement était Il y avait plus de magnifique. touches, J'étais là au fallait la bon zone de frappe à moment. distance. Tout est bon dans ce but. On jette rien. Et c'est reparti dans Allez, c'est cette rencontre. reparti. Le club tchèque est mené d'un but. On mène 1-0. C'est pour moi, mais la Et passe le était ballon très est finalement mauvaise. intercepté. Bien joué, Kroos. Teddy Chiro. Vinicius, Et là, l'action qui essaye continue, de se c'est une bonne démarquer, mais ce séquence. sera pour Rodrigo. Teddy Chiro, je frappe. Et le tir. Et le deuxième Oh but, là 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 là. doublé en L'appel moins contre de 9 Suarez. minutes. Et un nouveau but qui vient creuser les On gars. commence très très fort cet épisode. Je suis content. En tout cas, les supporters le sont également. On le revoit ce but, mais quand en plus de la puissance de la frappe, vous arrivez à ajouter la précision et la justesse, c'est une action absolument incroyable. Tchouaméni. Teddy Chiro. Bien vu. À nouveau pour Fede Valverde. Valverde. Teddy Chiro à nouveau. Temporise. Pour toi, Valverde. Fede Valverde avec le ballon. Vinicius. Cross qui tire. Et c'est le Vinicius. but. Et c'est le 3-0 ballon. en Les 20 Gardiens minutes. creusent un C'est peu bon. plus avec ce troisième En but tout du cas, ce match. match commence fort. Mais c'est plutôt bon d'avoir marqué 3 buts pour le goal à Un but l'avérage. comme ça, c'est d'abord une grande qualité de placement et anticipation. Après. Allez, c'est reparti. Teddy Chiro avec Rodrigo. Rodrigo là qui part sur l'aile, qui accélère, qui accélère. Allez, il va pouvoir centrer, il centre. Voilà, c'est un C'est pour bon Teddy centre dans la Chiro. surface. Mais je suis trop petit. Le centre est détourné. Rodrigo qui a un nouveau ballon. Chouchou. Teddy Chiro. Vinicius. Vinicius qui Vinicius tire. avec le ballon. Et le ballon fracasse la barre transversale Transversal. avant de Il sortir. fracasse Ça la se joue à deux transversale. petits centimètres. Ça, c'est
Le gardien va pouvoir se dégager. D'ailleurs, il a un nom qui est totalement imprononçable. Gordon, Gordon, quel ballon. C'est bien joué pour Duro. Duro Clac qui envoie McAllister. McAllister qui frappe et qui marque. Ça allait tellement vite. Ça fait gardien, autre gardien et but. La passe vers l'avant, c'est elle qui vient casser les lignes. La finition à mi-distance. C'est Rudiger qui est encore à l'ouest. Il n'est pas à son poste. Allez, ça sera un corner. Je demande le ballon. Tiens, à toi, cross. Je demande le ballon. Je fais frapper, je frappe. Ouh là là, quelle occasion. Encore un corner à jouer. C'est à nouveau un corner. Je demande le ballon à nouveau. Allez, c'est pour toi, cross. Donne-moi le ballon. Donnez-moi le ballon, je frappe. Oh là là, c'est un nouveau corner. Dans le dernier geste, peut-être. Oui, à l'arrêt sans aucune difficulté, il y avait mieux à faire. Mais non, il y avait mieux à faire. Ah là là, chouchou. Cette tête ne donne rien du tout. Merci, Valverde. Je récupère le ballon, j'accélère. J'ai vu en fait. Mais non, c'était pour Benzema, je l'avais vu. Il y a faute. Oh, joli la faute. Cross va tirer ce coup franc. Oh oui, c'est bien tiré. Oh là là, la transversale. C'était en pleine lucarne. Je demande le ballon. Ah, dommage. Allez, c'est McAllister qui a le ballon. Duro. Cross, joli, c'est magnifique. Ah, c'est pour toi. Oh oui. Quel but. Magnifique. En tout cas, la passe D, elle est sublime. Tout en profondeur, ça passe. Crème pour Vinicius et Vinicius en profite pour finaliser ce magnifique but. En tout cas, un chapeau à Kroos là qui récupère ce ballon très très haut, qui est capable de me le passer. Allez, passe-moi le ballon. Joli, Didier Chiro. Faute, monsieur l'arbitre, faute. Carton rouge. Quoi, c'est tout. Il me fait un tacle par l'arrière. Non mais regarde, un tacle assassin, on est d'accord. Et le Real Madrid qui va faire un changement. Allez, toujours cross pour tirer ce coup franc. Encore en pleine lucarne. Ah, cette fois-ci, je suis là pour le mettre. Mais cross, ça fait deux fois qu'il touche la barre en pleine lucarne. En tout cas, ça fait but. Ça fait 5-1. En tout cas, je mets mon tri. Ça c'est cool. Voilà son troisième but personnel du match. De quoi récupérer le ballon, le faire signer par ses coéquipiers et le garder dans ce petit musée personnel. C'est parfait. Ah, il n'y a pas vraiment de position en face. L'écart est immense entre les deux équipes et il se creuse encore plus. Aurélien Tchouaméni. Ah, et dans les tribunes, on attend un tir. Avec Karim Benzema, interception en pleine surface de réparation. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Vinicius avec le ballon. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Un retour de position de hors-jeu signalé, le drapeau se lève. Il est temps de sortir, nous sommes à la 76e minute et je suis remplacé par Latassa. J'ai fait un très bon match. On simule la fin du match. Et le score est de 5-2, parfait. Lira qui marque à la 80e minute, ok. Ben c'est plutôt bon pour la confiance, pour le moral. Ça c'est cool puisque on avait très mal démarré cette saison. Et maintenant on va faire des matchs d'équipe de France. On remplace Ben Yedder à la 79e minute en tant qu'attaquant. Demande le ballon sur le coup franc. Je récupère le ballon. Temporise un petit peu. Accélère. Ah, je pensais que j'allais pouvoir passer entre les deux joueurs. Franchement, si j'arrive à passer, c'est beau but. Hein. Ama, Lenen, Camara. Force. Oh oui, c'est joli. Qui tire? Et Mac Maignan est sur le coup. Chaleur là qui va pouvoir retirer ce corner. Bien frappé. Bien frappé. Et Maignan qui est encore sur le coup.
Tiens, j'en profite, vu qu'on joue en équipe de France, que Lloris est parti à la retraite, et que c'est Mac Maignan maintenant qui récupère son poste. C'est joli. Bel arrêt. Je trouve que Mac Maignan est bien meilleur que Lloris. Alors, c'est vrai que Lloris arrêtait des pénaltys, c'était pas du tout son fort, mais en tout cas, Mac Maignan nous a bien étonné là sur son arrêt franc sur le pénalty qu'il a eu à faire pendant les qualifications de l'Euro. Et je suis bien content d'avoir ce gardien. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce gardien. Et j'en suis très content pour l'instant. Peut-être c'est pour ça que Lloris est parti à la retraite, c'est parce qu'il savait qu'il y avait de la concurrence derrière, qu'il allait peut-être botter en touche. Mais l'arbitre laisse l'action se développer. Elle accélère. Retrouve un coéquipier. Pour toi. Fekir qui me passe le ballon. Je vais tenter une frappe. De toute façon, il reste une minute, même pas. On est déjà hors du temps réglementaire. Ok, c'est un match assez plat. Il s'est rien passé durant ce match. On clôture ce match avec une victoire, certes. Pas fantastique, mais tout de même content de remporter ce match. Nous sommes partis pour le deuxième match des qualifications. Nous sommes toujours avec l'équipe de France et je vais choisir comme objectif de ce match les dribbles réussis. Et je remplace Nkunku. Alors là, ça va être un match assez différent parce que je vais jouer Mok. C'est pas un poste que j'ai l'habitude de jouer. T'as vu. A de grandes chances de l'emporter. En tout cas, l'action était plutôt belle. Je demande le ballon. Tiens, c'est pour toi. Un peu coincé là. Ballon pour Fekir. Les frappes. Mais non. Mais t'es tout seul devant les cages. Quelle action. Mais comment il fait pour rater ça? Oh, Diaby. Vierne qui récupère le ballon. Il va pouvoir passer à son coéquipier là qui est tout seul. C'est joli, c'est bien fait. Connolly. Connolly. Vierne. Connolly à nouveau. Ah oui, il était tout seul. Et qui c'est Kimpembe là qui se foire? C'était pas évident. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. C'est un corner. Connolly. Tête de Connolly. Et c'est bien arrêté par Mac Maignan. Alors c'est vrai que c'est toujours difficile de rentrer comme ça à la 75e ou à la 80e minute puisque on n'a pas de temps de jeu et puis en plus de ça on connaît pas l'équipe, on connaît pas forcément les joueurs, comment ils vont réagir. C'est vrai que j'ai une certaine cohésion avec Vinicius que je n'ai pas forcément avec les joueurs de l'équipe de France, mais c'est vrai que Gabi aurait pu mieux faire, il aurait pu marquer ce but, c'est dommage. Danemark remporte le match 1-0. C'est parti pour Getafe Real de Madrid. Une petite victoire serait fort appréciée. Qu'est-ce que t'en dis? Ça sera le dernier match de cet épisode. Mais ne t'inquiète pas, on se retrouvera prochainement. Puisque de toute façon, je vais sortir beaucoup de vidéos sur FIFA 23. Donc si tu arrives sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Pourquoi je vais sortir pas mal de vidéos sur FIFA 23? C'est que en fait, les prochaines sorties ne m'intéressent pas comme Jedi Star Wars Survivor. Ça m'intéresse pas. Ou même Dead Island 2. Peut-être que toi ça t'intéresse. D'ailleurs n'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas là il y a une action qui est en train de se jouer. Il y a Vinicius qui fait un appel. C'est Modric qui récupère le ballon. C'est pour Vinicius qui frappe et qui tire sur le gardien. Voilà. Alors oui effectivement j'ai testé Star Wars Jedi Fallen Order. Puisqu'il est disponible gratuitement. Je n'ai pas du tout aimé le gameplay. Même l'univers, je suis pas très fan. Pourtant je suis un fan incontestable de Star Wars, mais je n'ai pas apprécié de jouer au jeu. Alors je vais y réessayer. Peut-être que j'étais fatigué, c'était un soir où il était un petit peu tard, où il était minuit, 1h du matin. En tout cas, je viens de marquer un très beau but. De mon côté, je retesterai Star Wars Jedi Fallen Order. Sait-on jamais? Peut-être que je changerai d'avis, mais j'en doute fort. Après, il était... Je t'explique un petit peu le contexte, c'est que lorsque je l'ai testé, il était minuit 1h du matin, alors peut-être que j'étais fatigué, j'ai pas apprécié le gameplay. Mais ça, chacun a sa propre opinion. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi, tu en penses. Mais on va retourner à FIFA 23, puisque je viens de planter un magnifique but. Allez, c'est reparti. Un petit peu de concentration. Martinez est tout seul, et qui va planter son but.
Heureusement pour toi là, finalement, ça finit au fond. Le manque de concentration. Aïe aïe aïe. Allez Valverde, je fais un appel. Je le trouve pas. Tu vas me trouver ? Valverde. Modric, non. Chouchou. Vinicius, t'es déchiré. Temporise un peu. Oui, c'est bien fait. Vinicius, Vinicius. Allez. Oui. But. Eh bien écoute, ce but est magnifique. Qu'est-ce que t'en dis ? Allez Valverde, tout seul. Jolie la talonnade pour Teddy Giro. C'est pour Modric, mais c'est pas grave, c'est Chouchou. Jolie. C'est un corner. Corner tiré par Rudiger, non, par Rudiger. Par Kroos. En fait, en ce moment, je suis en train de regarder la série Blacklist. Il y a un Rudiger et à chaque fois, je confonds. Ok, pas grave. Oh oui, jolie Kroos, magnifique. Voilà ce qu'on appelle casser des lignes. Cette passe en profondeur, c'est elle qui vient éliminer le dernier rideau défensif. Et regardez, la pression défensive s'accentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Le coach doit être ravi de ce qu'a montré son équipe. C'est pas une fin en soi. On voit bien que cette équipe réussit à dominer son adversaire en le privant de ballon. Pas de ballon, pas de danger. Et but ! Goal, goal, goal ! Le 4. Deuxième du match, le doublé. 4 buts en 30 minutes. Quel sens du but ! On le revoit et c'est le but typique d'Avançal. Le type qui est toujours au bon endroit, au bon moment. Aucune chance pour le gardien à cette distance. Allez, Teddy Sherrock et tout ça, j'accélère. Allez, 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 allez. Voilà, ah oui. Allez, c'est pour Modric. Modric. Oh là là, le gardien le touche du bout du pied, dommage. La récupération haute, le pressing est payant. Allez, Modric, Teddy Sherrock, c'est joli, c'est bien fait. Valverde. Demande le ballon. Allez, je te contourne. C'est pour toi maintenant. Maintenant oh oui, joli pour Vinicius. Ouais, bon. Allez, je demande le ballon. Hop là, et but. Alors en fait, la frappe en opposition, puisque le gardien était sur le point de plonger vers le côté droit. Et c'est vrai, j'ai frappé sur le côté gauche. C'était sûr que ça allait finir au fond. C'est parfait. Et ça fait notre deuxième triplé en deux matchs de Liga. C'est plutôt bon pour la confiance. J'en profite pour sortir comme ça, au moins je vais simuler ce match puisque nous sommes sur le score de 5-1 et nous terminons ce match sur le score de 6-1. C'est un match qui est plutôt bon. Mais écoute, je trouve qu'on a fait un très bon épisode, surtout sur les matchs de Liga, alors un petit peu moins sur les matchs de l'équipe de France, mais bon, c'est vrai que c'est très difficile à chaque fois de rentrer à la 80e et de réussir à faire un très bon match. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous allons démarrer ensemble la prochaine fois la Ligue des Champions et nous allons voir contre qui nous allons jouer. Et nous allons jouer contre Dortmund. On se dit à bientôt. Si tu arrives sur la chaîne et que tu connais pas encore la chaîne et que tu es nouveau, n'hésite surtout pas à appuyer sur le bouton s'abonner, c'est important pour le référencement de la vidéo, mais pas que, ça permet également d'agrandir la communauté. Et on se dit à bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao!